Nous allons prêter l'oreille à la parole de Dieu.
trouver la caméra pour que la voix puisse voir. Et vous verrez ici. Je suis dans 1 Timothée chapitre 2. Maintenant, vous pouvez apporter à l'évoquer, prenez la Timothée, mon capitaine Malé. Je lis à partir du verset 9. Tandis que vous avez la moquée à l'ivoire. Amen. Je veux aussi que les femmes vêtues de manière décente avec pudeur et modestie. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. La personne de la terre, moi, si pour la puisse à ton côté. Ni de prendre l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Parce qu'il y a comment dans la Guinée. Car Adam a été formé le premier. Et Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Et Ève a été formé dans la Guinée. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Et là, qui Adam a été séduit, ça m'a dit. Mais c'est la femme qui. C'est lui s'est rendu coupable des transgressions. Mais elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Si elle persévère dans la avec modestie dans la foi, dans la charité, et dans la sainteté. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 11. Le verset premier jusqu'au verset 3, nous lisons dans le Jésus-Christ. Soyez mes imitateurs. Comme je le suis moi-même et Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Et de ce que vous retenez mes instructions. Tel que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Et que l'homme est le chef de la femme. Et mon bâle à la ligne opposée à moi, si que Dieu est le chef de Christ. Mon âme est à la ligne opposée à Christ. Le Seigneur Jésus-Christ ajoute l'explication à toutes ces petites. Nous nous rassemblons et nous chantons ces cantiques de victoire.
Il a tout créé par sa sagesse. Voilà.
Parce que avant de créer, Dieu a manifesté d'abord la sagesse. Tout a été manifesté par la sagesse, frère. Et c'est par la sagesse que Dieu a créé dans le monde. Et aujourd'hui, la sagesse c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole. Et aujourd'hui aussi pour créer, le Seigneur a utilisé la sagesse. Amen. La doctrine que nous vous prêchons, c'est la sagesse de Dieu. Si tu as cette doctrine, laisse un message. C'est un homme intelligent. C'est ce que le Seigneur a fait. Un homme intelligent d'abord selon Dieu. Ce n'est pas d'abord celui qui a fait les universités. C'est celui qui a la connaissance de Dieu. La parole que nous prêchons. C'est ça la sagesse de Dieu. Même si nous prêchons sur la doctrine, ça fait toujours partie de la sagesse de Dieu. Lorsque Salomon a reçu la sagesse, c'était pour examiner chaque chose, les choses une à une. Pour en saisir la raison. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était aussi pour avoir des conseils pour bien marcher sur la voie de Dieu. C'est ce qu'il dit dans les livres des Proverbes. Il dit Proverbe de Salomon. Fils de David. Va Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction. Pour comprendre les paroles de l'intelligence. Pour recevoir les leçons de bon sens. De justice, d'équité et de droiture. On avait parlé aussi du port du voile. Mais
souci, quand on le culte, quand on avait parlé vraiment long et en détail. On avait dit qu'une femme moi ne peut pas prier le Seigneur sans être voilée. Parce que sa chevelure, c'est la gloire de l'homme. Et comme on vient dans le culte à la gloire du Seigneur, elle doit couvrir ses cheveux ou sa tête. Mais l'homme, comme il est la gloire de Dieu, il ne doit pas couvrir sa tête pendant le culte ou pendant la prière. On avait donné les Écritures. Je fais cette récapitulation pour que ça puisse vraiment bien devenir encore. Parce que la répétition est salutaire. La répétition, frère, elle est salutaire. On avait dit aussi ceci. Il y a voix de voix. Il y a voix d'abord, une voix de voix. Il y a les voiles pour couvrir les cheveux. Il y a aussi les voiles comme cheveux pour couvrir la face, ce qui est tête rasée. Amen. C'est pourquoi on avait parlé du voile au premier verset là-bas pour couvrir les cheveux. On dit s'il est honteux pour une femme d'être rasée. Tout le monde voit sa nudité. Alors, quand on
pour que les nations commencent à voir son opprobre. On a dit ma porte et c'est pas qu'il va nous montrer la soie. Là on avait exhorté. On va prendre la que nous sommes là. Voilà ton ami. Nous avons aussi la gloire de Dieu. On appelle la terre pour l'État. Amen. Nous avons la gloire de Dieu par le Saint-Esprit. Mais sont-ils si nous demeurons dans la vie du péché? Nous serons déshabillés. Nous resterons nus. Le Seigneur va nous abandonner. C'est pourquoi nous devons nous efforcer à rester dans la crainte de Dieu. Nous devons rester dans les respects des choses spirituelles. Parce que ce qui avait fait que la gloire puisse être accordée au milieu du peuple, c'était le manque de respect de la loi. J'avais dit c'est le respect de la parole qui préserve la gloire de Dieu au milieu du peuple. Si nous rejetons la parole, si nous rejetons la doctrine, si nous rejetons aussi la gloire, parce qu'avant de commencer tous les services dans les temples des sacrifices,
l'enseignement. Il ne faut pas regarder s'il est gentil. Autant parce qu'il y a aussi des païens gentils. Il y en a aussi des pasteurs païens gentils. Voilà, il faut tout le temps la route.
sanctification. Oh, on te paie la commune pour lui saluer par les balles et commune qui s'appelle monde. Mais comment tu peux t'attaquer à la sanctification? Ce sont les gens qui veulent établir notre vie dans l'église de Dieu. Les sacrifices perpétuels. Mais perpétuel. Jésus avait dit, yes, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, établi en lieu saint, celui qui lit, attention, il est vrai que c'est une prophétie qui se rapporte après l'enlèvement. Aujourd'hui, la parole aussi, c'est le sacrifice perpétuel. Tu vois quelqu'un s'attaquer à la parole. Au sacrifice perpétuel. Pendant le temps que nous sommes, le sacrifice qui fait que la lumière puisse être maintenue dans les lieux saints. Fais attention. Fais attention. Il faut éviter les camarades. Tu dors la nuit. On l'a mis dans la boue. On te montre vraiment que ce serviteur ici est mauvais. Attends, ici, on sort des mots. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Avant que tu sois faiseur de songe. Mais si c'est Dieu lui-même qui te l'a donné. Allez, maintenant, continue ça.
Quand ma terre le coûte, la limousine, ça a un il faut comprendre. On a connu un cerf. C'est pourquoi il faut être très éveillé. Et en outre de ce qu'on avait dit la fois passée, il y a aussi la place de la femme dans l'église. La femme dans l'église doit connaître sa place. Comme vous le connaissez déjà, la femme n'est pas appelée à enseigner. C'est ce qu'on a lu ici. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Moi, ça me fait mal. Vous allez voir les gens, dans la ils ont dit je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je veux que les femmes vêtues, là, c'est la volonté de Paul. Je ici, je. Tout ici, c'est je. Mais comment ici, c'est la volonté de Paul? Là-bas, c'est la volonté de Dieu. On a pensé à la de côté, on a pensé à Paul. Comprenez que ce sont des gens qui ne supportent pas la scène. Et les bateaux, nous vous prêchons cette parole parce que c'est la voix de Dieu. Il n'y a pas de notre chemin. Et là, vos sources de l'éternel. Notre chemin. Et là, vos sources pour nous, il n'y en a pas. Et l'éternel. Il n'y en a pas. Et l'éternel. La forme de l'église n'enseigne pas. Moi, si ma tâche est au centre de ma chambre, pour être assis, tu entres dans la vie d'église. Donc, on est au centre de et tu trouves une forme debout devant les gens. Moi, si vous êtes en train d'enseigner pour prendre l'autorité, même président en télécule, ou modératrice, il faut sortir de cette église. 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 C'est-à-dire les gens de Paul avaient enseigné. Même les églises de Dieu qui étaient ailleurs. Même ne contestez pas les lettres, les enseignements de Paul. Dans l'église des saints, les femmes ne prêchent
C'est pourquoi on dit, dans le Seigneur, dans la parole, il y a ni grec, mon juif, l'analyte, mon héla. Mon héla, l'analyte, ni juif, mon juif, l'analyte, ni homme, mon père, l'analyte, ni femme, moi, c'est l'analyte, ni esclave, mon père, ni libre. Mon sang, l'analyte, nous sommes les fils de Dieu. Parce que c'est par rapport au salut. La personne qui a prêché ça, mon temps est heureux. Il est venu encore. Aïe, il se dit, frère, je veux que vous sachiez. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur
nom de Jésus-Christ vous soit favorable. Amen. 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 Nous allons lire. Nous allons lire 2 Chroniques chapitre 34. Écoutez ceci. Je lis même à partir du verset 14. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Ah. Au moment où l'on sortit l'argent, qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, les sacrificateurs, il qui a trouvé les livres de la loi, de l'Éternel donné par Moïse. Alors il y a pris la parole et dit à Jean-Paul le secrétaire. J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et il y a donné le livre à Jean-Paul. Jean-Paul apporta le livre pour moi. Et lui rendit aussi compte en disant, tes serviteurs ont fait tout ce que tu leur avais commandé. Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. Jean-Paul, le secrétaire, dit encore au roi, les sacrificateurs, il qui m'a donné un livre. Jean-Paul le lit devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre à Ilkia. À Ashikam, fils de Jean-Paul, à Abdon, fils de Michel, et à Jean-Paul, le secrétaire, et à Asaj, un serviteur du roi. Il dit, allez, consultez l'Éternel pour moi. Et pour ceux qui restent en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ces livres qu'on a trouvés. Grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous. Parce que nos pères n'ont pas observé la parole de l'Éternel. Tout ce qui est écrit dans ce livre. Maintenant écoutez, ça c'est Ilkia, et ceux qu'avait désigné le roi allèrent auprès de la prophétesse Oulda. Femme de Shalom, fils de Tokelat, fils d'Asra, gardien de vêtements. La prophétesse, elle, a habité à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville, après qu'ils eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire. Elle répondit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire venir les malheurs sur ce lieu et sur ses habitants. Toutes les malédictions écrites dans les livres qu'on a lu devant le roi de Juda. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Ici les hommes, les sacrificateurs, les dépositaires de la loi et les gens de la maison de du roi, des hommes capables. Vous allez voir une femme prophétesse. Ils n'ont pas dit que nous, en Israël, ne pas permis à une femme de parler. Non. Ça, c'est une prophétesse. Elle exerce un don spirituel. Et elle a consulté l'Éternel pour eux. On peut avoir aussi des femmes qui prophétisent, qui servent Dieu dans les prières et les jeûnes. Parce que la maman de la confiance, pour les dire, une femme qui prie
chambre. Que le Seigneur Jésus-Christ se bénisse. On peut autoriser une femme de parler dans l'assemblée quand le moment de la prophétie va arriver. Vous parlez de ça, moi, si on va faire ça, mais le temps, comment on va être au chapeau là? Amen. On dit que c'est temps ici, c'est le temps de la prophétie. Alors, il y a des temps où il y a un chapeau. On laisse la parole au prophète. On dit qu'il y a un chapeau, il y a un chapeau. Là, ne dit pas qu'il n'est pas permis à la femme de parler. Non, ça, c'est leur temps. Regarde, si tu as pu sur le yéguet, tu es débattu par le bacaté. Parce que lorsque nous nous réunissons, on te voit là, tu as un chapeau. Nous allons faire les choses à nous. Ah, on a dit qu'on va se faire ça, mais c'est quand même un amour. Lorsqu'il s'agira de la prophétie, on leur laisse la parole. Ok, quand il y a un chapeau là, qui est là, mon gars? Elles vont dire ce qu'elles ont entendu. Alors, oui, maman, maman, dis-le, maman. Elles vont dire ce qu'elles ont entendu. Alors, oui, dis-le, maman, pour yoga. C'est ça l'ordre dans l'église. La place de la femme. Elle ne peut pas enseigner. Mais elle peut prophétiser. Servir Dieu dans les prières et dans les jeûnes. Et dans notre tâche aussi sociale. Être domestique dans l'église. Chante. C'est pas mauvais. Mais dans l'ombre, on a pas vu une sœur entonner des louanges. C'est pourquoi vous voyez parfois dans le culte, les sœurs n'entendent pas des louanges. Parce qu'il y a pas ce modèle. C'était les hommes qui ont tourné les louanges du Seigneur. On y parle, il y a des produits dans ma salle, on a le travail. On y a des cultes. Voilà pour y avoir des dames. Mais la sœur peut avoir son cancer et du cœur, et on l'accompagne. C'est pas pour l'aider. Au moins, les voyants, les voyants, on a eu un moment, on va sourire. Mais quand il y a un Seigneur, ce sont les leurs victimes, elles doivent se taire et écouter avec silence. On dit s'il y a une question, je suis regardé dans mon retour. Qu'elle demande à son mari à la maison. Là, si le mari vit ensemble avec la femme, Amen. Si la soeur n'est pas mariée, on va se dire de parler dans le temps pour parler. Elle a des parents à la foi. Allez, dans ma porte, on va se faire la vie. Que les parents sont les pasteurs de leur propre maison. Les parents ont bien maîtrisé l'enseignement. Et au-delà des parents, il y a aussi les sacrificateurs établis. À qui l'on demande la loi. Et bien, on va y avoir un retour, porteurs, dépositaires de la parole. Allez, ma coupe, on va y avoir un retour. L'équipe de les femmes, c'est yes. On ne peut pas être dans l'équipe comme ça, les femmes parlent, comme c'était mieux en consolidant. Non, les femmes doivent demeurer dans le silence. Voilà sur la bande à la clinique. Même quand il y a une question, attends qu'on soit du mot tout et mardi, ok. Elle voit, mais c'est bien. Elle ne va pas se lever et poser la question à lui. Il faut voir. Elle a mis personne, on doit raconter le mardi dans mon tout la tête. Non, mais ça, ça reste un sujet de partage. Ah ouais, premier thème, il y a beaucoup de si nous sommes dans un partage dans une réunion, nous donnons la carte, il y a un moment devant, nous donnons par le commandant. Mais il faut nous observer scrupuleusement ce contexte. On a la route, il y a un cacao, la carte, il y a un. Il y a ici d'abord, non? Ou bien, on doit libéraliser aussi les sœurs de poser des questions. On doit plus qu'avoir des contacts partout dans la famille. Ou bien la réunion des jeunes, des mamans. Le partage, c'est les filles assemblées de ça. Il y a rien tombé à ma maman. Là, j'ai dit que c'est un sujet de femme. C'est ça. Parce que je n'ai pas trop de lumière là-dessus. Ah, de voilà. Si j'ai dit comme ça, cela ne veut pas dire que je suis plus ministre. Amen. Amen. C'est seulement que nous respectons les bornes. Amen. Amen. Il en va. De ce qu'on a compris des choses de Dieu. Parce que l'homme de Dieu aussi doit être ordonné. Ce n'est pas quelqu'un qui parle à tout bout de champ. Il parle toujours comme toujours parler. Même Moïse avait des frères. Attends, il y a une semaine de quelque chose, il dit le Seigneur m'en avait pas parlé. C'est pour la témoignage.
bien fidèle. Je veux que les jours où je ne serai pas là, que vous puissiez aussi me témoigner comme un prédicateur fidèle. C'est pourquoi là-bas j'ai dit que je n'ai pas encore quelque chose à dire. Mais dans le but, de manière générale, que les femmes s'éteignent, qu'elles écoutent l'instruction en silence. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Après ce que nous venons d'écouter, qu'il nous rende veillants sur les sacrifices perpétuels. Nous avons la capacité d'observer la parole. Il nous éclaire toujours sur ce chemin. Il y a au nom de Jésus-Christ. Oh, c'est fait ça, les gars.